Merci d'avoir accepté cette mission toute simple. C'est quoi l'arnaque? Y a pas d'arnaque. Sérieux? T'as le cerveau en surchauffe. Et toi en sous-chauffe. Ça ne se dit pas. Si, ça se dit. Ah oui? Je crois que tu as vérifié? Descends de ce train. Et ce que vous entendez, c'est l'extrait francophone, en fait, du film Bullet Train, mettant en vedette Brad Pitt. Et pour en parler ce matin, on a la chance d'avoir avec nous notre chroniqueur maison, Philippe Lemieux, professeur en cinéma au cégep de Saint-Jérôme. Comment tu vas? Ça va bien, gang. Ça va bien. Yes! Hey, grosse sortie quand même, là, ça s'en vient. Là, oui, grand film d'action, donc, tu l'as dit, mettant en vedette Brad Pitt, basé sur un roman japonais. Ah oui? Ah. Oui, et réalisé par David Leitch. Peut-être que ça vous dit rien, mais en fait, c'est quand même particulier parce que c'est un cascadeur hollywoodien devenu réalisateur. Okay. Okay. Il a commencé sa carrière dans la réalisation en co-réalisant John Wick. Oh, okay. Quand même. Ça fait, tu vois, ça fait un peu de sens parce qu'il y a à peu près juste ça, des cascades dans oui, ce film. Oui, c'est ça exactement. Puis il a réalisé Atomic Blonde, Deadpool 2, un volet de Fast and the Furious. Alors, on peut s'attendre avec Bullet Train à un film avec beaucoup, beaucoup d'action. De cascades. Oui, de cascades. Et si je me fie à la bande-annonce aussi, pas mal d'humour. Alors, ça m'a inspiré ce matin une chronique, une thématique qui est les trains au cinéma. Les trains au cinéma? Oui. Et, j'ai jamais vu, gars. Je commence avec deux films, en fait, américains, semblables à celui qui va sortir demain, pour ceux qui voudraient se mettre dans l'esprit là, des films d'action avec les trains. Alors, il y en a un qui date de 2010, qui s'intitule Unstoppable. Ça m'en vedette Chris Pine et Denzel Washington. Ouais. Ça, c'est basé sur un fait vécu. C'est un film, un train dont on avait perdu le contrôle. Il n'y a plus le conducteur. Puis là, il faut l'arrêter parce qu'il file à pleine vitesse. C'est le dernier film réalisé par Tony Scott avant son décès. Ah, okay. Tony Scott qui nous avait donné le Top Gun original. Mm-hmm. Évidemment, True Romance et Crimson Tide. Et c'est un très bon film d'action. Là. Ça vaut la peine de le un genre de clanche, mais sur rail. Là. Exact. Parfait. Okay. Puis en 95, il y a un film qui s'intitule Money Train. Ouais. Avec Wesley Snipes et Woody Harrelson Jennifer Lopez qui, paradoxalement, a de l'air exactement dans le film aujourd'hui comme elle a de l'air dans la vraie vie. Et Wesley Snipes qui, lui, a l'air plus à la retraite. Oui, c'est ça, exactement. Mais il faut mentionner qu'elle adore dans l'azote. Hein. Elle se concentre très bien. Money Train, en fait, c'est le train de l'argent. En fait, ça se passe dans le métro de New York et c'est un film de vol de banque, sauf que la banque, c'est le quart de métro dans lequel ils mettent l'argent du métro de New York quand ils ramassent à toutes les stations, là, si tu veux, l'argent qui a été déposé. Comment t'as trouvé ça? C'est ça. Ben, correct. Sans correct, plus. Ouais. Ouais, c'est divertissant, mais disons que je ne l'ai pas regardé 150 fois. par contre, les deux prochains dont je vais vous parler, ce sont de très bons films. Et là, je sors un peu du cinéma américain avec Snowpiercer, le transpersonnage réalisé en 2013, qui met en vedette Chris Evans, l'acteur que on connaît pour Captain America, bien sûr. Mais c'est un film sud-coréen réalisé par Bong Joon-ho. Est-ce que, et là je m'adresse à vous trois, ça vous dit quelque chose ce nom-là? Bong Joon-ho? Ça me dit que je ne le connais pas. Mais ça ressemble à un drink, là, tu sais, mettons. Non. C'est le réalisateur du film Parasite qui, il y a quelques années, s'est mérité 4 Oscars. Dont le meilleur film, c'était une première. C'était la première fois même qu'un film qui n'était pas en anglais remportait l'Oscar du meilleur film, mais il a aussi gagné le meilleur film en langue étrangère, les deux catégories. Il a gagné le meilleur scénario et le meilleur réalisateur. Donc, avec Parasite. Avec Parasite, qui est vraiment un chef-d'œuvre. C'est un excellent film. Puis avant Parasite, il avait fait Snowpiercer, donc un film basé sur un roman graphique français, une bande dessinée qui s'intitule Le transpersonnage. Okay. Et qui raconte simplement, c'est un film post-apocalyptique, donc la Terre est devenue une nouvelle ère glaciale, finalement. Et les survivants de l'humanité sont à bord d'un train qui est en mouvement perpétuel. Pas geler. Oui, c'est ça, exactement. Okay. Puis là, il y a toute la tension entre les différentes classes sociales. Plus tu es riche, plus tu es à l'avant du train. Plus tu es pauvre, tu es à l'arrière. Et ça a donné une série sur Netflix aussi qui m'en vedette Jennifer Connelly. Okay. Et là, après la pause, je vous parle d'un autre film sud-coréen intéressant qui parle de trains, mais cette fois-ci des trains et des zombies. Dès demain, dans un cinéma près de chez vous, c'est la sortie du film Bullet Train, mettant en vedette Brad Pitt. Brad! Et on est avec nous, on a la chance d'avoir notre chroniqueur maison au 96.9, c'est quoi? Philippe Lemieux, professeur aussi en cinéma au cégep de Saint-Jérôme. Il a décidé de nous faire une petite thématique train. Oui, j'aime ça. Être là-dedans. Mais Philippe, tu nous parlais un peu plus tôt des différents films dans lesquels il y avait évidemment des trains. Mais là, tu nous parles d'Alfred Hitchcock. Avant ça, en fait, je veux parler d'un deuxième film sud-coréen parce qu'on avait parlé du transpersonnage. Exact. Et pour les amateurs de films d'horreur et de zombies, il y a un très bon film qui s'intitule Train to Busan.
Alors, c'est l'histoire du déclenchement d'une apocalypse de zombies au moment où les personnages principaux sont dans un train à haute vitesse qui va entre Séoul et Busan. Et au début, ils témoignent par la fenêtre de feu puis de problèmes. Puis là, plus le film avance, plus on se rend compte qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe. Puis éventuellement, bon, il y a une personne infectée qui rentre dans le train. Okay. Oh, et oui. là, mais c'est un extraordinaire. C'est un très bon film de zombies, beaucoup d'action, beaucoup de tension aussi. Il y a même un film animé réalisé par le même réalisateur qui s'appelle Seoul Station, aussi lancé en 2016. Puis un petit peu le prequel, qu'est-ce qui s'est passé avant, pendant qu'on était à bord du train. OK. Puis il a tellement été populaire qu'ils en ont fait une suite en 2020 qui s'intitule Peninsula, qui est davantage un film d'action, là, un peu moins de tension. Mais vraiment, là, Train to Busan, pour les amateurs du genre, là, c'est un très, très bon film. Ah ouais, je connaissais pas ça. Puis oui, comme tu l'as dit, Alfred Hitchcock, le maître du suspense, en a fait plusieurs. Les trains s'y prêtent bien, hein, c'est un huis clos. On sait qu'Agatha Christie avait écrit Le Crime sur l'Orient Express, qui a été adapté plusieurs fois au cinéma. Hitchcock a fait The Lady Vanishes en 38 et Strangers on a Train, c'est déjà dans le titre, en 51, qui est un chef-d'œuvre. Mais moi, je vais vous parler, évidemment, parce que les trains sont très associés au cinéma depuis ses débuts, depuis sa naissance. En fait, le tout premier western de l'histoire du cinéma, réalisé en 1903, s'intitule The Great Train Robbery. Okay. Ah ouais. C'est un film célèbre, oui, dans lequel il y a un plan subjectif du cowboy qui tire vers nous, là, qui regarde la caméra. Mm-hmm. Fait que j'imagine que les gens, particulièrement au Texas, ont dû riposter, puis il a dû y avoir quelques trous dans l'écran. Hein, Mais en fait, vous avez déjà entendu cette histoire-là, c'est sûr. Le 28 décembre 1895, les frères Lumière présentent le célèbre film « L'arrivée d'un train en gare » dans le salon indien du Grand Café, situé sur le boulevard des Capucines à Paris. C'est la naissance du cinéma. C'est ça l'histoire qu'on raconte. Mm-hmm. Puis j'ai même eu des profs à l'université qui ont dit, en classe, que les gens ont tellement eu peur de ce train qui avançait vers eux, qui ont crié. Certains ont bondi de leur siège, d'autres ont quitté la salle. C'était trop réaliste. C'est ça l'histoire qu'on raconte. Ben c'est faux. C'est complètement faux. Oui, c'est décevant. C'est tout ce que je viens de dire, ou à peu près, est faux. Premièrement, les Frères Lumière n'ont pas tourné les premiers films. C'est Thomas Edison aux États-Unis qui a tourné les premiers films. Okay. Deuxièmement, les gens, là, ils ont beau vivre en 1895, ils sont pas caves, OK? Ils sont dans un sous-sol, premièrement, d'un café à Paris. Et ils regardent un écran qui a un mètre carré à peu près, là. Ouais. Un train en noir et blanc, muet, avec du piano. Disons, oui. Mal filmé. Puis c'est des gens qui connaissent les trains, là. Veux dire, ils en ont dans leur environnement de tous les jours. Ouais, ils savent que c'est plus gros qu'un écran de même, là. Oui, puis que c'est en trois dimensions, puis que c'est en couleur, puis que ça pue, puis que ça fait du bruit, puis bon, tout ça. Puis moi, je suis allé à Paris. L'hôtel Scribe, qui s'adonne à être à côté du Palais Garnier, l'Opéra de Paris, c'est là qu'était le Grand Café à l'époque. Okay. Okay. Quand on va dans le sous-sol, il y a des salles de banquet, de réunion qui s'intitulent le Louis Lumière, le Auguste Lumière et le 1895. Okay. Puis vous avez le programme de la soirée, les 10 films qui ont été joués ce soir-là. Il n'y a pas l'arrivée d'un train en gare. T'es-tu sérieux? Parce qu'il a été tourné l'année suivante. Il a été tourné seulement en 1895. Donc, c'est absolument impossible que ce soir-là, les gens l'aient vu, le film. Il n'existait pas. T'as démystifié cette fausse information. J'espère que t'as rappelé tes profs pour leur dire d'arrêter de... En tout cas, moi, je l'enseigne correctement, si je peux dire ça. C'est sûr. Écoute, on vient d'avoir ça là. Fait qu'on, s'il y a des gens qui travaillent pour LCN, RDI, qui nous écoutent présentement, on vient de débunker un mythe qui était faux depuis plus d'un siècle. Et voilà qui met fin, donc, à ma chronique pour les sidéraux dromophiles qui m'écoutent. Sidérodromophiles. Écoute, comment je dirais ça à la radio? La sidérodromophilie, c'est les gens qui sont, je vais dire, excités par tout ce qui est l'univers ferroviaire. Sexuellement excités. C'est pas inquiétant. C'est pas le mot qui m'inquiète, c'est le fait qu'il y a assez de corps répertoriés pour qu'on invente le mot. Hey, merci Philippe. Je le rappelle, Philippe Lemieux, professeur en cinéma au cégep de Saint-Jérôme. Nous, on termine dans deux semaines. On n'aura pas la chance de se revoir. Ouais, c'est le retour de l'équipe B. Mais c'est pour toi. mais c'est pour toi un retour aussi en classe. Eh oui. Alors, on te souhaite un bon retour. Merci beaucoup d'être passé. Merci bien, gang. Philippe, merci. Debout!